Salut tout le monde, c'est Geoff et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 34 de Pokémon Soul Silver en Random Stock. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et donc nous nous retrouvons à l'avant-ville où d'abord, oui, il faut aller en premier lieu à la tour radio afin d'avoir le coupon et obtenir les fréquences de Kanto. Alors c'est toi qui le donne, salut le bonjour, hello, je suis le super directeur musical, hein, ton Pokémon Toast ne peut hélas pas capter une émission, dommage. Oui, écoutez, tu as besoin d'un coupon d'expansion. Ah, ok, comment qu'on l'a en fait? C'est... Alors, bienvenue, tu peux visiter cette île, ok. C'est pas le John Joff qui répare la centrale, grâce à toi, j'ai pu conserver mon emploi. Je t'en dois une fière chandelle, tiens, remerciement. Ah, bah, celui qui le donne. Ah, bah, nickel. Allez. De toute façon, ça, c'est obligatoire à voir, parce que c'est que comme ça qu'on peut... On peut réveiller les ronflexes qui nous bloquent le passage. Alors donc, attendez, est-ce que je garde Air Force en position? Ouais. Ouais, on va faire ça. Et donc, bah écoutez, oui, on va vers Parmani, c'est ça qu'on avait décidé. Route 12, donc nouvelle zone. Bon, tiens, allez, hop, on pêche. Ouais, merci. Non, pas ça. On va pêcher, hein. Puis on va voir ce qu'on trouve. Alors. Ah là, allez hop, on a quelque chose à l'hameçon. Et c'est... Oh, c'est un Amonita. Oh, pas mal. Pas mal, mais ça fait quand même encore un Pokémon haut, hein. Quand même. Bon. Comment que je vais... Ouais, allez hop, Hyper Ball. Allez, première tentative pour l'Elix Fossile. Hein. Non. Ah, il veut pas se laisser. Enfin, elle veut pas. Morsure. Ça va le faire tranquillement. Enfin, j'espère. Hein. J'espère. Allez hop, nouvelle hyperbole. Ah là 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 là. Elle veut pas se laisser capturer. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre un Pokémon plus faible dans le PC. Ouais. Allez. S'il te plaît, laisse-toi capturer, ma petite. 1, 2, 3 et 4. C'est bon, voilà. Ouh. Et ben voilà, hop. Une capture en ce début d'épisode. Ça fait toujours plaisir. Allez, en plus, c'est un Pokémon fossile. Hein. Alors là. Donc, ce Pokémon des temps anciens est supposé avoir navigué. En contorsionnant, ok, d'accord. J'ai pas de gros ce phrase. Allez, on va lui donner un petit surnom. C'est une femelle. Allez, ouais. Je sais pas s'il y aura la place. Ouais, dommage, j'ai pas de la place pour entier. Bon. On va l'appeler Parkinson, voilà. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'il y a une... Il y a un ordre, l'ordre des Parkinsonia dans les Amonites. Enfin non, je sais plus si c'est l'ordre, le genre, je ne sais plus, oh là là. Enfin bref, voilà, j'étale ma science. Allez, maintenant combat. Tu t'en souviens? De quoi? Mais de quoi il parle, le mec, là? Sérieusement? Je sais pas. Bon. Balbuto! Très bien. Il est sol ou roche? Je ne sais plus s'il est... Il est psy-sol, c'est ça, ou psy-roche? Bon, on va bien voir ça avec aile d'acier. Si c'est super efficace, c'est qu'il est roche. Non, c'est qu'il est sol. Il est sol, psy. Très bien. Oh, peau dure. D'accord, ok. Soit, il faudra que je fasse gaffe. Allez, prochain Pokémon, Magnéti. On change pour Etna. Je crois qu'il y a quand même pas mal de dresseurs avant Parmani. Alors, remarquez, ça nous fera XP un petit peu. Hein. Allez, hop, lance-lame contre le Magnéti. Il va pas faire long feu.
Allez, voilà. Ça vient. Bon, pas trop de challenge pour l'instant. Hein. Toujours la tempête de sable. Ouais, bon, Etna sera touché, mais c'est pas très grave. Un petit coup de turbo, pourquoi pas. Crise acier, ouais, on regarde Etna. Oui, là, il n'y a pas du tout de challenge. Mais pas du tout. Allez, tiens, on va faire point de feu cette fois-ci. Ça va suffire, je pense. Voilà. Hop, le pêcheur, là. On l'a battu. On est content. Même si, bon, ça n'a pas donné beaucoup d'XP. Il ne veut jamais oublier ce super combat. Il faudra qu'on se... Allez, hop. Tiens, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Tiens, un petit numéro de téléphone. Enfin, je crois. Alors, bah, non, toi, t'es rien. Là, quelqu'un encore. C'est pas un rocker, je crois que je suis comme ça. Le vent a tourné. Ils disent n'importe quoi, les mecs, sur ce ponton, là. Je sais pas ce qu'ils ont fumé. Ah non, c'est un ornithologue. Très bien. Ortide, ouais. Ouais, ça va. Allez, qu'est-ce qu'on... Ouais, vol. Allez, vol, on va pas l'éteigner sur les moyens. Hein. Hervena, ok, d'accord. Bon, il sera pas... Enfin, il n'y aura pas de coup critique, mais c'est pas grave. Hein. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin pour tout te dire. Pour te mettre KO. Allez, vas-y, Air Force. Voilà, l'attaque vol qui réussit. Et qui va sans aucun doute remettre l'ortie de KO. Voilà qui est fait. Très bien, plus qu'un Pokémon. Et qu'est-ce que c'est donc? Un Coupix. Là, par contre, on change... Tiens, on va envoyer Tanguy, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on l'a pas vu. Le héros de la ligue Pokémon, quand même. Hein. Faut pas l'oublier, il faut pas l'oublier. Allez, oh, Nico niveau 39. Bon, d'accord, allez, on fait force. Ça devrait pas mal lui faire mal. Hein. Et ben voilà, nickel. C'est tout bon pour l'instant, c'est tout bon. Alors, maintenant, encore un pêcheur, tiens. Il faut de la patience pour pêcher, il faut de la patience pour les Pokémon. Oui, pourquoi pas. Oui, oui, ouais, si tu veux, si tu le dis. Hein. Allez, deux Pokémon Pascal, un Carapuce. Très bien, bah, c'est normal pour un pêcheur d'avoir un Carapuce. Hein. Du coup, avec Air Force, quand on va faire c'est... On va faire vol. Je pense le mettre KO avec ça. En plus, il sera touché par la tempête de sable, ce petit Carapuce. Voilà, même si elle ne fait pas grand chose non plus, mais bon. C'est pas ça qui va faire la différence non plus. Hein. Allez, Carapuce KO. Nickel. Plus qu'un Pokémon donc pour ce pêcheur. Simularbre. Simularbre, bon, on garde Air Force. On garde Air Force, puis on va faire Eldacier. Allez, vas-y, Air Force. Aile d'acier. Voilà, c'est super efficace. Et ça le met KO, tiens. Pas mal. Pas mal du tout. Je pensais pas. Je ne pensais pas le mettre KO, je vous avouerai. Très bien. On est bon pour l'instant, on est bon. Logan, non, je ne sais pas, pas. Ouh, un combat double. Air Force et... On va garder Air Force et Gobi. Voilà. Je pense que c'est pas trop mal. Je vais briller devant ma Kimber chérie. Quand on se bat tous les deux, je peux voir son profil et ça me fait tout craquer. Oh là là, bon. Ok, il y a un couple à la mort, moi le nœud. D'accord, que deux Pokémon. Ok, le riff, forêt. Ça va tranquille. Ça va tranquille. Très bien, bon. La tempête de sable touchera les deux Pokémon en plus. Alors, on verra qu'il y a un tranche-nuit sur Faux-Faux-Rêve et on va faire séisme. Comme ça, Air Force sera pas touché. Ça, c'est cool. Ça touche les deux en plus en face. Après, je sais pas ce que ça vaut au niveau des dégâts. L'Octillerie et KO, c'est nickel ça. Et le Faux-Faux-Rêve. Ah bah les KO, bon bah d'accord, ok, bon bah Air Force aura été inutile en fait dans ce combat. Ah c'est parfait tout ça.
Ben voilà! Je crois que c'est le combat double le plus rapide qu'on ait jamais vu. Me semble. Alors, par là. Oui, il y a une petite route. Il y a une route par ici. Ouais, c'est la route juste à l'est de. Pas Kramozin, mais mince. Je sais plus le nom de la ville. Bon, tant pis. Tant pis. C'est. Ça commence par C, je crois. Carmin-sur-Mer, voilà. Voilà. Bon. Romuald, un Terraclope. Ça peut le faire tranquille. Mais est-ce que c'est son seul Pokémon? Non, ouh, il en a trois, d'accord. Allez, on fait tranche lui. Allez, vas-y, Air Force. Ah, presque. La malédiction, d'accord, ok. Je serai touché par la malédiction, donc on va changer après. On va changer. Ah, Air Force qui monte au niveau 59, cool. Alors, bon, Air Force qui va être touché par la malédiction, ça fait assez mal, il me semble, ça. Ouais, Dodrio, Pokémon Vol, on change pour Watson. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait du rayon chargé? On fait l'étincelle? On va essayer de. Bon, je sais pas. On va faire du rayon chargé. Des fois qu'on ait la possibilité d'augmenter notre attaque spéciale. Pour le prochain Pokémon, ça serait pas mal. Parfait. Ah, l'augmentation d'attaque spéciale qui fait du bien. Et donc, son dernier Pokémon, qu'est-ce que c'est? Ah, toujours la tempête de sable. Côte vol, Pokémon plante vol. Ouais, non, on va changer. Et on va envoyer Etna. Bon, Etna qui sera. Oh, quoique, elle sera peut-être pas touchée, vu que je pense mettre KO le côte vol du premier coup. Ça va pas toucher par la tempête de sable, je veux dire. Allez, lance-flamme. Je pense ne pas trop m'avancer en disant que je mets KO ce côte vol. Mais oui, nickel! Nickel, parfait. Bon, ça a donné un peu d'XP quand même ce combat. Ça, c'est cool. Donc, c'est une nouvelle zone aussi. Hein, donc bon, on va se capturer un Pokémon. Allez hop! Qu'est-ce que c'est cette fois-ci? C'est un. Ah, je l'ai déjà! J'ai déjà un Marill. Donc, règle de doublon, heureusement, parce que. Et encore un Pokémon. Oh, et non, mais sérieusement! Bon. Ah, du coup, je peux fuir tranquillement. Et on va s'en prendre un autre. Attends, l'objet là, qu'est-ce que c'est? C'était 27 balles glace. C'est pas mal du tout ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez. C'est reparti. Nouvelle chance. Impossible. Non mais sérieusement, qu'est-ce que j'ai avec les Pokémon de type O? C'est quoi le délire? Oh là là. Bon, bah, écoutez, on capture, hein, on capture. Hein. Qu'est-ce que je vous dise? Allez, 1, 2, 3, et 4, voilà, bon. Ah, sérieusement, c'est le prochain, c'est encore un Pokémon O. Non mais là, je signe tout de suite pour être champion d'arène de type O. Hein. Avec tout ce que j'ai. Allez, ce Poissigan, c'est une femelle, je sais comment on va l'appeler. Hop, on l'appelle Dory. Voilà. Bon. Mais écoutez, très bien. Bon, on va se faire tous les combats de cette zone. Allez, mon petit gamin. Porter des shorts dans l'herbe, ça pique à donf. Pas cool. Eh ben, pourquoi tu portes des shorts alors, hein? Pourquoi tu portes pas un jean, un pantalon? Quelque chose comme ça, moi, j'en sais rien. Nidoqueen. Pokémon seul au poison. Au vol. Ouais, je vais garder Air Force quand même. Mimique, très bien, ça échoue. Bon, après, il sera pas touché par la tempête de sable, New Queen. C'est un peu dommage. Je vous avouerai, c'est un peu dommage. Presque KO, cool. Bon, il fait juste Mimique, donc c'est cool. Il aura pas été trop embêtant, ce Nidoqueen.
Alors, bah, tiens, on va terminer avec l'âme d'air. Allez, ça aurait réussi déjà. Et ça le met KO. Un coup critique en plus. Bon. Après, je sais pas si on en avait vraiment besoin. Mais ça fait toujours plaisir d'en avoir. Prochain Pokémon en jeu, un Coxyclac. Coxyclac, on regarde Air Force. Pokémon insecte vol. Tiens, on va faire l'âme d'air. Ouais, j'aurais peut-être dû faire vol. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, il me fait météore, ça fait pas grand chose. Il va être touché par la tempête de sable. Ok, bah tiens, on va terminer avec Tranche Nuit en fait. Pour être sûr de le toucher. Voilà qui est fait. C'est nickel. Voilà. Bon, est-ce que je soigne un peu Air Force? Non, on va juste changer de Pokémon en proposition. Tiens, on va envoyer Tanguy. Voilà. Ah, hop, je vais pas trop aller dans l'observe. Voilà, à toi Gami. Les Pokémon ne trichent pas. Jour le fair play. Oh, oui, oui bon, c'est vrai. C'est vrai, ça triche pas, Pokémon. Ekrapint. Ouais. Ouais, un peu une bonne attaque. Oh bah tiens, méga fouet. Ah mince, ah bah il faudrait que ça réussisse, hein, ça serait pas mal. Passe-passe. Ça... Ah oui, c'est parce que c'est un coup critique, c'est pour ça. Eh vas-y Tanguy, voilà, ça c'est bien. Les méga fouets qui risquent de le mettre KO, voilà. Cool. Très bien, c'était son seul Pokémon. Ensuite, par là donc... Voilà, ça c'est un télékinésiste. Qu'est-ce qu'il a à dire? Je vois tout, présent, futur, combat. Ok. Et est-ce que tu l'as vu venir, la raclée que je vais te mettre, hein? Mascadra. Parfait, parfait. Allez, ma force. Allez, Tanguy. Après, je sais pas si je mets KO du premier coup. Non, il reste un petit... Oh, mon Dieu. Ça faisait longtemps qu'il y a des petits problèmes de statut, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Écrasement. On va argenter. Ça va pas non plus me faire trop de dégâts. Voilà. Allez hop, je ne suis pas paralysé en plus, ça c'est cool. Voilà. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Alors, attendez, tiens, on va mettre... Etna pour la position. Passons par là. Par là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas un objet ou quelque chose comme ça. Karma sur mer, ok. Bon, s'il y a un objet là. Qu'est-ce que c'est? Foulard bleu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi ça? Ça sert à quoi? Attendez, hop. Alors, objet tenir, augmente la beauté de l'écho. Rien à faire. Rien à faire. Totalement rien à faire. Bon, tant pis. Allez, on retourne sur la route 11. Et. Pof. On s'en occupera après du Ronflex, là. Pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse en premier lieu. Toi, je t'ai battu, ouais. Mince, un combat Pokémon. Encore un Poissyrène, très bien. J'accélère puis je fais fuite. Voilà. C'est tout ce qu'il y a sur cette. Dans cette route. Mince, encore un combat. Un Zigzaton, ok. Allez. Fais fuite. Ça vaut même pas la peine en plus de les combattre, les Pokémon sauvages, ils sont tellement de bas niveau. Oh bah écoutez, on a... J'ai l'air d'avoir tout fait sur cette route, alors bon. Hop, on reprend notre chemin vers Parmani. Par la route 12, donc. Je vais quand même soigner le Pokémon, je pense. Du moins ceux qu'on a besoin. Oui, un antipara sur Tanguy. Ensuite, des potions, des hyper potions. Sur, hop, Tanguy. Et Air Force, voilà. On va garder tenant pour la position. Oh, le pêcheur là, est-ce que... Non, je crois pas que je l'ai fait. Voilà.
C'est génial de pêcher en écoutant la radio. Ouais, c'est cool. C'est cool. Allez. 3 Pokémon. Ça... Oh, punaise. Cributoké. Oh, punaise. Ah, oh, punaise. J'ai peur. Ben, je le sens. Le mieux à faire, c'est d'envoyer Moupette. Et de faire tranche tuit. C'est stabé. C'est un taux de coup critique assez élevé. Oh punaise, prenez-moi du destin. Ben écoute, toxique. Voilà, parce qu'en fait, prenez-moi du destin. Si je le mets KO, Moupette sera KO aussi. Faut une protect, très bien. Ok, ben c'est le moment de faire tranche nuit donc. Vas-y Moupette. En plus le poison bah ça fait que ça diminue sa défense. Allez, là faut mettre KO, sinon c'est la dèche. Sinon c'est foutu. Oh c'est bon. Oh la vache. Mon dieu, mais qu'est-ce que ça comme PV les Cubutoke. Bon bah on a réussi à s'en sortir. Tritosaur. Pokémon au sol. Pokémon au sol. Bon, Air Force, ouais. Bon, petite frayeur, hein, quand même. Mais bon, vite dissipé. Hein. On sait maintenant comment les gérer, les Cubutoke, je pense. Alors, le sable volant de Air Force, on va faire vol. Ça ne mettra peut-être pas qu'au du premier coup. Mais ça, je vais lui faire parler de gueule. Ok, d'accord, il invoque l'appui, ce qui fait qu'il n'y a plus de tempête de sable. Ok. Allez, vas-y, Air Force. Bon, moi, lui ont enlevé 2 tiers, je pense. Eh ben, on lui enlève tout. Ah, boom final. Ok, d'accord. Attention. Attention aux Pokémon avec boom final, ça peut être très enquiquinant. Arcanin, oh, pas mal du tout, on change Arcanin. Eh ben écoute, on envoie Gobi, on va en profiter qu'il pleuve pour faire une bonne attaque haut. La puissance sera supérieure à la normale. Tiens, on va faire cascade. Comme Gobi est un peu plus physique que spécial. Je pense que c'est le meilleur choix contre cet Arcanin. Et donc, est-ce qu'on le met KO? Oui. Oui, on le met KO. C'est nickel. Parfait, ce combat. Ça donnait pas mal d'XP. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je suis le petit frère du maître pêcheur, et toi, tu as peut-être aimé la pêche, j'ai raison. Oui, j'aime la pêche, une fois. T'es sûr, si tu aimes la pêche... Ah, la méga canne. Oh, c'est cool, ça. C'est cool. Les Pokémon seront plus puissants si je les pêche. Oui, non, c'est pas une nouvelle zone. Monsieur, là, tu m'as tourné le dos. Quoi. Ok, mais qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est parce que c'est un ornithologue qui imite le corbeau. Oh là 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 là. Mon dieu. Férosinge. Ouais. Il exerce une pression? Bon, pourquoi pas. Allez, hop, lance-lame. Ça va le faire tranquille. Aucun doute là-dessus. Voilà. Nickel. Un petit coup de turbo, là. Ça fait pas de mal. Papinox, eh ben écoute, on garde Etna. Pokémon insecte poison. Lance-flamme. Quand même tranquille, hein, cet épisode. Pour l'instant. Et à part le Cubutoke qui nous a... fait un petit peu peur, je vous l'avouerai. Il n'y a pas eu grand chose de tonitruant dans cet épisode. Pour l'instant, on n'a pas fini. Hein. Donc, encore un pêcheur. Quelle est la chose la plus importante dans nos vies quotidiennes? Bonne question, vous avez 4 heures. Allez, on dirait ouais, une disserte de philo. Ok, oui. Bon, bah, il suffit que je dise qu'il y avait peut-être du challenge pour qu'il y en ait. Attaque fin, tiens. Ce sera super efficace. On le voit beaucoup, j'ai l'impression, Giratina dans ce let's play. Hein.
Ah, il prélève en destin. Bah tiens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une folie. C'est toujours bien dans ces cas-là d'avoir une attaque qui ne blesse pas, qui fait un problème de statut comme ça, au cas où il y ait prélèvement du destin. Il est confus. Et est-ce qu'il se... Ouais, il se blesse, nickel. Du coup, on va faire... faire feinte. Allez, vas-y, Etna. Ah, presque. Il est confus. Blesse-toi, s'il te plaît. Ah, non. Aura sphère. Bon. Ça... C'est pas stabé. Ça risque de passer. Oh oui, non mais ça passe largement. Vous avez vu le peu de dégâts qu'il m'a fait? C'est un scandale. Allez, après on termine avec feinte. Voilà qui est fait. En plus, ça va bien XP Etna, qui va monter comme ça au niveau 59. Voilà qui est fait. Encore un petit coup de turbo. Raikou! Ok, le mec, il a deux légendaires. Bonjour. Raikou, on va changer. On envoie Gobi. Ok, d'accord. Bah, et donc, il suffit que je dise qu'il n'y a pas grand-chose comme challenge pour que... Bah, voilà, quoi. Hop là, deux légendaires, d'un coup, les obséismes. Bon, par contre, le Raikou, il risque d'être moins difficile à battre. Avec Gobi et l'attaxéisme qui suit, là. Ça risque même de le mettre KO du premier coup, hein. Ah bah oui. Bon, est-ce que tu me sors un troisième légendaire, tiens? Allez, pour la déconne. Ah non, Mime Junior, c'est pas du tout la même chose. Tiens, on envoie Air Force. Puis on va faire tranche nuit, tout simplement. On est qu'au niveau 37, en plus. Allez, vas-y, Air Force tranche nuit. C'est super efficace, et ça le met KO, oui, tout à fait. Parfait, bon, après il aurait pu avoir fermeté, hein, qui sait. Nickel, et mais donc, nous avons eu du rêve, hein, mon cher pêcheur. Alors, par là, il y a quoi? Oh, il y a un objet. Bah écoutez, on va le prendre. Hein. Alors, ok, c'est... Oh, vieille ambre! Oh, cool! Oh, c'est cool, ça, c'est pour avoir Terra. Oh, c'est génial! Allez, à toi. Mais j'aurais pas furé un combat, là. Oui, tout à fait. Allez, 3 Pokémon. Porygon 2. 18? C'est tout? Et what? Bon, une simple attaque feinte va le mettre KO. Allez, au revoir pour Egon 2. À la base, ça devait être un Magikarp, je pense. Allez, on va un petit coup de turbo. Hippodocus. Pokémon Sol. On envoie Gobi. Hippodocus, oui, c'est l'évolution. C'est l'évolution, et là-bas, c'est Hippopotas. C'est ça. Encore niveau 18, la punaise. Pas terrible, hein. Pas terrible pour l'XP, hein. Ah, ils auraient un niveau aussi fort que les autres de cette route-là, ça aurait donné des pas mal d'XP, comme c'est des bons Pokémon en plus, normalement. C'est dommage. Ensuite, Kaimors. On change, on envoie Watson. Est-ce que lui aussi est niveau 18? Et là est la question. Ouais, lui aussi niveau 18. Oh, je rate mon attaque. Ok, bon. Je me demande s'il n'y a pas eu en fait un bug dans la... Pas la ROM, mais je crois que même dans le jeu original, ils sont niveau 18. Un petit problème dans le développement du jeu, je ne sais pas. Je ne sais point. Moi, est-ce que... Bon. On s'en fiche, en fait, mais... Mais bon, c'est quand même bizarre, je l'avoue. Bon, au moins, il ne sera pas difficile à battre, hein. Allez, parfait. Ah, tu veux mon numéro? Très bien. Vas-y, hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit de panneau, là? Route 12, d'accord.
Parce que là, on va changer de zone. Oui, on change de zone, zone 13. À toi, mon cher. Regarde le Pokémon. Quel lustre, quelle couleur. Ok, bon. Soit. Draco. Oh, pas mal. Alors, Etna. Etna, tiens, tu vas nous faire feinte. Ouais, ça va. Aïe, Hydro-queue. Ça passe. Ça passe tranquille. En plus, le turbo fait que je suis sûr de l'attaquer en premier après. Parfait. Parfait, parfait. Encore un petit coup de turbo. Ah, ça fait toujours plaisir. Mews! Eh ben écoute, on garde Etna. Et on fait lance-flamme. Allez, vas-y. Je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. On va le mettre KO. Voilà qui est fait. C'est nickel. Bon, et bien écoutez les amis, c'est ici que je vais vous laisser pour cet épisode. Alors j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire ou à faire partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook ou sur Twitter. Les liens sont dans la description en bas de la vidéo. Sur ce, rendez-vous au prochain épisode. Portez-vous bien. Et ciao les amis!